1, 2. Ça marche? Tu veux que je parle encore ou pas?
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance du conseil municipal de Merchin de ce 12 avril 2021 qui se déroule depuis quelques mois en salle des fêtes en lieu et place de la salle du conseil municipal et pour cause puisque nous sommes toujours donc en période d'urgence sanitaire et dans ce cadre donc il y a la possibilité pour les élus d'avoir deux procurations éventuellement, ce qui me permet de faire la transition immédiatement donc par rapport à la présence de chacun des élus et de vous proposer de nommer comme secrétaire de séance du conseil municipal Madame Aurélie Lefebvre. Tout le monde en est d'accord? Merci. Aurélie. Présent. Présent. Je vous en prie, monsieur Bonchu, ça s'appelle la transparence. Nous étions engagés, donc il est normal de s'y tenir. Pas d'autres remarques? Donc nous pouvons considérer que le procès verbal est adopté à l'unanimité. Merci. Donc je vous propose de passer à la lecture de l'ordre du jour de cette séance du conseil municipal, qui est composé de 13 points. Donc, le premier point concerne une motion portant sur l'avenir du site PSA. J'y reviendrai dans quelques instants. Le deuxième point concerne les décisions au titre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Le troisième point est relatif aux comptes de gestion et aux comptes administratifs de l'année 2020. Le quatrième point concernera l'affectation du résultat 2020. Le cinquième point, le budget administratif 2021, ainsi que le vote des taux d'imposition des deux taxes locales, à savoir la taxe foncière sur le bâti, appelée communément TFB, et la taxe foncière sur le non-bâti, appelée communément TFNB. Le sixième point est relatif au budget primitif 2021, cette fois-ci pour le vote des subventions de fonctionnement aux associations. Le septième point sera concerné par la participation financière au CIVOM et RPE de Vingles pour l'année 2021. Le huitième point concerne la subvention de fonctionnement au Centre communal d'action sociale de Merchin pour l'exercice 2021. Le neuvième point concerne le budget primitif pour l'année 2021. Le dixième point est relatif aux frais de scolarité et sa mise en application de la réciprocité. Le onzième point concerne la désaffectation et le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée AD numéro 497. Pardon. Le douzième point concerne la désaffection et le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée AH826. Et le 13e et dernier point concerne les modalités de transfert automatique de la compétence PLU.
Donc je vous propose effectivement de commencer cette séance de conseil municipal par une proposition de motion portant sur l'avenir du site PSA. Alors, beaucoup d'élus étaient présents samedi à la marche organisée par l'intersyndicale pour défendre effectivement l'emploi sur le site de Douvrin. Et donc, lors du dernier comité du CIVOM, a été prise donc une motion qu'il est proposé de reprendre dans chacune des 20 communes du CIVOM, et plus que. Et du CIAF, pardon, merci Madame Vazikoff. Et plus qu'une simple motion, je vous propose aujourd'hui de recevoir deux représentants de l'intersyndicale que j'invite à nous rejoindre dès maintenant. Donc, à savoir Monsieur Massiolek et Monsieur Delabroix, pour qu'ils puissent vous parler ce soir en séance. Donc, durant 10 à 15 minutes de l'avenir de ce site PSA, donc plus communément connu sous le nom de la Française de mécanique, hein, pour la plupart des salariés, des anciens salariés. Et l'idée, surtout, c'est que vous puissiez profiter de leur présence pour les questionner, leur poser vos remarques. Ils sont là pour y répondre. Messieurs, je vous laisse la parole. Il marche le micro? Oui. Voilà. D'abord, je voudrais remercier tous les. Monsieur le maire, hein, bien sûr, pour sa présence samedi, et puis tous ceux qui ont participé. C'était important pour nous. Hein, c'est 1180 emplois de menacés. Donc, il faut agir maintenant. Après, il sera trop tard. Donc, je vais laisser un peu Eric développer le sujet. Oui, donc encore merci pour nous laisser l'accès en tant qu'intersyndical à cette réunion ce soir. Donc, on vous remercie aussi pour samedi, hein, dans les conditions climatiques. C'est très compliqué de faire cette marche. Et les salariés ont reconnu en vous votre soutien. Et on vous remercie énormément parce qu'ils avaient besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin de soutien, on a besoin de faire des démarches pour essayer de maintenir l'activité sur le site et sauvegarder l'emploi. Donc, vite fait, la présentation de la Française Mécanique en 2003, nous étions environ 6 000 personnes. Aujourd'hui, en 2021, nous sommes 1 200 actifs. Ensuite, à ça vient s'ajouter les personnes en plan senior, les personnes en intérimaire, les intérimaires, pardon, et les contrats pro. Donc, ça fait un total d'environ 1 620 personnes. Et aujourd'hui, excusez-moi, leur emploi est menacé. Donc, au mois de juin 2020, on nous a présenté le projet EPGEN3. Donc, en fait, il devait remplacer notre moteur diesel. Donc, c'est un moteur 4 cylindres qui remplaçait ce moteur diesel. Donc, c'était une bonne chose. C'était vers la transition énergétique, c'était quelque chose, un projet d'avenir. Et en même temps, on nous a annoncé que le moteur 3 cylindres allait évoluer vers un moteur hybride. Donc, c'est pareil, une espérance. Un allongement et des nouveaux projets arrivés sur le site. En décembre 2020, nous avons eu le PMT avec la direction, donc le plan moyen terme. Donc à l'horizon 2023, on devait évoluer de 2020 à une production de 600 000 moteurs, à 2023 à une production de 980 000 moteurs. Donc c'était une très bonne nouvelle dans l'atelier. C'était juste avant Noël, donc c'était une très très bonne nouvelle, les salariés étaient contents. Et malheureusement, en février 2021, nous avons une réunion et l'annonce de ce moteur 4 cylindres hybride qui partait en Hongrie. Donc là, c'était une catastrophe. Et le moteur 3 cylindres en génération 3, donc hybride, la décision était suspendue. Elle va être prise en juin 2021, fin juin 2021. On va nous annoncer si ce projet sera maintenu sur notre site. Si ce projet-là n'existe plus demain, l'arrêt de l'activité sur le site se fera le 1er janvier 2025. En fin décembre 2024, on ne peut plus produire de moteurs en 6.2, 6.1. Donc, si on ne passe pas la norme Euro 7, on ne peut faire que des pièces de rechange sur des volumes très réduits. Le diesel s'arrête, le P s'arrête et le B s'arrête. Donc, nous avons mobilisé un maximum de personnes. Ce n'est pas évident de voir tous les maires de chaque commune. Mais on remercie la mairie de Meurchin, monsieur le maire, de nous avoir tout de suite reçus. Nous avoir écouté et conseillé aussi sur différentes actions. Donc, nous avons décidé en tant qu'assemblée syndicale de faire cette marche et de mettre une pression sur PSA. Aujourd'hui, la décision n'est pas prise. On peut sauvegarder l'emploi. Si
Le projet EB se fait sur Française de Mécanique, ça va représenter environ la moitié d'un bâtiment. Donc ça ne serait pas suffisant pour avoir une longévité à long terme, mais on pourra espérer d'accueillir des nouveaux projets. Si on n'a plus du tout d'activité sur le site, on viendra fermer. Donc nous demandons le maintien du projet DVR, c'est le moteur diesel, parce qu'on doit l'arrêter en juin 2022. Et en juin 2022, on peut encore produire ce moteur jusqu'au 1er janvier 2025. Donc déjà, ça nous ferait une activité supplémentaire. Le DVR, c'est 2000 moteurs par jour. Donc ça nous emploie quand même environ 400 personnes. Le moteur EP, nous produisons 800 moteurs par jour. Et on paraît, environ 400 personnes travaillent sur ce moteur. Et le moteur EB, idem, c'est 400 personnes environ. Et si on passe en génération 3, donc moteur hybride, on pourrait avoir une espérance que 2028-2030. La solution hybride est une solution transitoire vers d'autres technologies, soit du tout électrique, de l'hydrogène ou autre chose. Ça, nous le savons. Mais si nous n'avons pas d'activité après 2025, nous n'arriverons jamais à accueillir de nouveaux projets. Donc nous demandons à avoir ce moteur. Il ne faut pas qu'il parte à Tiki. Tiki, c'est la Pologne. Ou Zengota en Hongrie. Là, aujourd'hui, il y a une usine en Inde qui va s'ouvrir. Donc l'inquiétude se porte encore plus autant. Donc il faut maintenir l'activité sur notre site. PSA a connu des moments difficiles en 2013. En 2013, PSA a failli disparaître. L'État a participé financièrement et soutenu PSA pour maintenir son activité. Les salariés ont fait des efforts. 3 ans de gel des salaires. La 4e année, c'était 8 euros d'augmentation pour maintenir l'activité. Et en cette période très difficile, nous avons réussi à ne pas fermer d'usine. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, PSA se porte bien. Et malheureusement, cette transition énergétique qui est accélérée fait migrer tous ces moteurs vers la Hongrie, vers l'Inde, vers les pays où la main-d'œuvre est moins chère. Donc la situation est très compliquée pour nous. Et voilà, j'ai fait un rapide résumé de la situation très préoccupante pour nous. Oui, moi je ne vais pas compléter beaucoup parce qu'il a vraiment tout dit, il est rodé à force. Un peu stressé. Et c'est bien. Non, mais on va continuer les actions. On ne laissera pas tomber parce que, comme Eric l'a dit, et ici il y en a plusieurs qui ont travaillé à la Française de Mécanique. De tout temps, on a su relever les défis. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à relever un défi du moteur électrique. Et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à relever la transition qui va se passer avec ACC. Si le moteur EB, comme vous l'avez dit, comme Eric vous l'a dit, on n'a pas. 2025, c'est 1180 personnes sur le carreau. Parce que l'ACC ne va pas englober tout le monde. Il n'y a pas que nous qui tapent à la porte d'ACC. Il y a Bridgestone, il y a la NPE, il y a des promesses d'emploi à droite à gauche. Donc ça serait dangereux pour l'emploi dans les Hauts-de-France. Et plus parce que quand on a signé pour ACC, on m'a dit vous étiez content. Oui, on était content. Parce qu'il y avait deux usines et créer de l'emploi. Pas un remplacement d'emploi. Donc il faut se battre. On va continuer à se battre. On aura besoin de monsieur le maire, on vous l'a dit, de notre soutien, on vous remercie encore, et de vous tous. Et donc on espère se revoir et venir ici d'un conseil en vous disant on a eu le moteur et ça continue. Voilà, merci à vous tous. J'aimerais juste rajouter une chose, nous sommes vraiment pour l'arrivée d'ACC. On est content que Douvrin ait été choisi pour faire cette activité. Donc on vous remercie d'avoir insisté pour que ce projet se fasse là, sur l'usine de Douvrin. L'inquiétude est sur Douvrin, mais aussi sur toutes les usines autour. Nous avons Valenciennes, nous avons la Cévelle, même Grand Est, la fonderie de Charleville. Aujourd'hui, si Douvrin venait à disparaître, Charleville est compétitif parce qu'il est proche de nous. Sinon, ça serait l'Inde qui nous fournirait les brutes. Là, demain, si tous ces moteurs sont faits à Tiki Zengotar, nous allons voir la fonderie de Charleville diminuer. Valenciennes, sur leur boîte de vitesse, qui sont beaucoup plus simples pour un moteur électrique, c'est un réducteur avec un variateur, tout simplement. Donc, 4 fois moins d'emplois. Et le moteur électrique, c'est 4 fois moins d'emplois par rapport à un moteur thermique. C'est beaucoup plus simple à fabriquer un moteur électrique qu'un moteur thermique. Donc, il faut que ces activités restent en France. Il faut que ça soit sur l'usine de Douvrin et réparti sur les Hauts-de-France. Donc, si la première usine qui est Française de Mécanique venait à disparaître, à mon avis, d'ici 2027-2028, ça serait une catastrophe pour les Hauts-de-France. Donc il faut vraiment se mobiliser et maintenir l'activité ici. Je vous remercie. Simplement pour ajouter en chiffres, c'est 20 000 emplois directs et 80 000 emplois indirects pour la région. C'est énorme sur les 7-8 ans à venir. D'où l'importance de garder les moteurs thermiques.
pose pas de questions. Oui, c'est bon. Donc voilà. Donc, bah, moi, je suis un ex-EFM, hein, donc vous me connaissez bien. Bon, moi, la seule chose que je vais juste rebondir sur deux, trois questions. Moi, je n'ai pas crié cocorico concernant la manifestation de samedi. Je m'en suis expliqué avec Fabrice. Je pense que si on enlevait les élus locaux, si on enlevait toute l'intersyndicale et surtout les retraités, je pense que la mobilisation au niveau des jeunes, hein, qui à mes yeux étaient concernés, elle n'était pas représentative. C'est dommage, hein. Mais bon, je pense que c'est mon analyse, je peux me tromper, mais heureusement que vous étiez là avec les syndicats, l'intersyndicale et on va dire les têtes grises. Ensuite, pour parler de l'AFM aujourd'hui, en fin de compte, c'était un emblème parce qu'on a toujours été précurseur, hein, à l'époque du DVR, la nouvelle génération des moteurs diesel. L'AFM, on a eu toujours l'occasion d'avoir l'obstention. Le moteur EB, le 3 cylindres, on était précurseur, on a eu le moteur. Le P, on a eu le moteur aussi. On était aussi précurseurs au niveau du compostage. Vous vous souvenez, on nous avait demandé de réduire les surfaces. Hein. À l'époque, l'AFM, c'était 140 hectares. Aujourd'hui, c'est 40. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il y a une grande inquiétude. Et pour rebondir un peu, c'est vrai qu'il était prévu à la base que ACC soit un complément avec les moteurs thermiques. Et aujourd'hui, je pense que ça ne va pas être le cas. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans le nouveau projet ACC, c'est saucissonné en trois modules. Premier module, donc c'est la première phase, c'est 300 personnes de concernées, avec des profils et des spécificités professionnelles bien précises. Je le souhaite, si d'aventure, les batteries fonctionnent, seulement après, en 2024, vient s'ajouter le deuxième module, où là, on rajoutera 500 personnes. Si d'aventure, ça fonctionne, on remettait un troisième module. Donc, je dirais que l'emploi plein, si vraiment la batterie fonctionne, ACC, c'est 2000 personnes. Mais il faut se mettre dans la tête qu'en 2023, c'est que 300 personnes. Hein. 300 personnes. Hein. Donc, la transition, je ne suis pas certain qu'elle passe. Hein. Il faut savoir une chose, c'est que M. Tavares, le patron de PSA, aujourd'hui, ni figue ni raisin, il serait plus sur... le moteur... E-Motors ? Comment ? E-Motors ? L'hydrogène. Voilà, l'hydrogène. Donc voilà. Donc lui, il miserait plus sur l'hydrogène que sur les batteries. Hein. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je croise les doigts, mais... Voilà. Maintenant, je pense qu'il faut une mobilisation un peu plus complète, je dirais, de l'ensemble des salariés concernés. Parce que moi, je pense que samedi, c'était pas un succès. Voilà. C'est mon avis. Hein. Pour répondre à samedi, la moyenne d'âge de l'entreprise est à 47 ans. On était beaucoup occupés entre le micro, etc. Mais à la fin, nous avons eu beaucoup de jeunes qui sont venus nous voir. Donc les jeunes étaient présents, tous avec leur capuche. Mais effectivement, sur environ 1000 personnes, il y avait énormément de retraités. Moi, je veux dire, mes parents étaient présents, mes enfants étaient présents. Il y avait France 2, il y a eu un reportage de faits qui sera publié le 2 mai. Avec les enfants qu'ils ont préparés à 6h au matin, mes enfants ont aidé à préparer cette manifestation. Mais la mobilisation dans l'atelier, les gens sont ressentis fortes. Il y a malheureusement une organisation syndicale qui a essayé de faire une entrave, qui est passée dans l'atelier en disant « Vous dites quand vous voyez l'intersyndicale que le samedi matin, on dort. » Et ça, c'est inadmissible pour sauvegarder l'emploi. Et, je ne sais pas, je suis des énormes, mais c'est même honteux malheureusement. On n'est pas là pour faire une guerre syndicale. Parce que nous, c'est vraiment sauvegarder l'emploi. Par contre, effectivement, ça blesse. Parce que quand on donne autant d'énergie à essayer d'organiser cet événement, qu'il y a des personnes qui essaient de restreindre parce qu'ils ne sont pas au cœur de l'événement et qu'ils veulent s'attribuer le travail des autres. Alors que nous, on ne parle pas en tant que... Je ne vais même pas donner mon organisation syndicale. On parle vraiment de l'intersyndicale. Moi, si demain, il n'y a pas la Française des mécaniques, le syndicat n'existe plus. Et c'est vraiment la priorité, c'est l'emploi. Donc c'est vrai que c'est blessant. Et le deuxième point, c'était sur l'arrivée d'ACC. Effectivement, il y a 300 personnes en 2023 chez ACC. Et aujourd'hui, il y a plus de 10 000 personnes qui attendent pour y rentrer. Il y a Pôle emploi avec malheureusement Bridgestone qui s'est passé, avec tous les emplois indirects qui vont avec Bridgestone. Il y a d'autres usines, on parle Maxom, on parle de petites entreprises de 120, 180 salariés à chaque fois. C'est une désertification industrielle aujourd'hui. Avec le Covid, malheureusement,
C'est une raison pour délocaliser. Et en termes d'emploi sur le bassin, ça a vraiment un gros impact. Donc, les jeunes sortis d'école, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les personnes, moi j'ai 41 ans, demain vers quoi je vais me relancer? Est-ce qu'il faut que je déménage? Est-ce qu'il faut que je remette toute ma famille en question? Et ça, c'est la question que tous les salariés se posent. Donc effectivement, par contre, PSA a créé une cellule d'emploi donc pour répondre aux questions des salariés, parce que ne va pas mentir non plus à dire que tous les salariés iront chez ACC. Et pour j'ai eu des jeunes qui sont venus chez nous au local. Alors la question, c'est voilà, aujourd'hui, j'ai pas de diplôme. Est-ce que je vais pouvoir passer un diplôme pour me relancer vers un métier porteur, donc les métiers porteurs sur le bassin. Donc ça peut servir à certains, c'est pas la solution, parce que la solution, c'est bien maintenir l'emploi. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes dans l'atelier. Quand on passe dans l'atelier, on a des gens qui pleurent. Dès qu'on parle de l'usine, c'est qu'est-ce que je vais faire demain? Je viens d'acheter une maison, j'ai un crédit à 800 euros par mois, j'ai ma voiture à payer. Je suis déjà en difficulté financière aujourd'hui. Comment je vais faire? Eric, dis-moi comment je vais faire. Donc c'est vraiment très compliqué et justement c'est pour ça qu'on a tout de suite réagi. Parce que les leviers, nous avons, on peut encore le faire aujourd'hui, on peut encore maintenir l'activité, la décision c'est mois de juin. Donc nous sommes là ce soir et on vous remercie encore une fois. Nous allons essayer de participer à ce même genre de réunion, j'espère, dans d'autres communes pour alerter le maximum de personnes. Pour terminer, dans mes propos, je ne tiens pas responsable, bien au contraire, ce que vous avez engagé sur l'intersyndical, je pense que ça partait d'une bonne idée, c'est très très bien. Après, comme vous l'avez dit à juste titre, malheureusement, il y a des syndicalistes, on va dire, révolutionnaires, j'en dirai pas plus. Bon, voilà, ils sont là pour véhiculer, entre guillemets, des messages négatifs, donc ça s'est porté, malheureusement, samedi. Mais après, je vous dis, moi j'ai quand même une grande inquiétude, je vous dis, c'est parce que c'est la mobilisation et je pense que, je suis quand même inquiet, même si aujourd'hui l'espoir est là. Regardez, il faut être objectif. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de la direction samedi? Non, mais ils vont pas. Non, mais... si, je pourrais répondre, il y a beaucoup eu de CFE. Enfin, le CFE, oui, il y avait, c'est appelé oui, cadre, hein, oui, j'explique un peu. Cadres, il y avait et des RU. D'habitude, ils n'y sont pas, les techniciens, les cadres. Il y avait des RU. D'habitude, ils ne se mobilisent pas parce qu'ils sont plus inquiets que nous, que les ouvriers. Ils sont concernés. Ouais. Après, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que ça n'a pas marché. Si, ça a marché. Quand on ouvre le journal, on voit 800 à 1000 personnes. Bridgestone, c'était beaucoup moins. La mobilisation, je pense que nous, chez Rose, c'est le directeur central. Ce qu'il voit, c'est dans la première page 800 à 1000 personnes, mobilisation générale pour sauver l'emploi. Alors peut-être on en fera une, peut-être on fera d'autres actions, et peut-être que ces jeunes, justement, vont suivre. Parce que tu as travaillé à l'FM, d'autres travaillent dans les villes, et faire bouger les gens, que ce soit pour les retraites, hein, j'étais dans le combat des retraites, moi je bouge pas, j'aurai pas ma retraite. Bah, là, c'est les anciens, moi je bouge pas, parce que tout compte fait, je n'ai pas bougé. Donc c'est difficile, tu l'as su, tu étais syndicaliste, c'est pas évident. Moi je dis, avec le Covid, avec la pluie, il nous a compté 800, je peux te dire qu'on nous a même dit 1200 en comptant réellement, je pense que c'est une satisfaction quand même. Maintenant, c'est sûr qu'on aurait préféré le double, hein, comme tout le monde. Hein. Mais non, je pense que après on verra la suite. Et puis, comme je vous ai dit, on continuera de se battre. Il n'y a pas de raison. Mais après, chacun a son point de vue. Hein, je respecte. Et en semaine, c'était pas possible. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'en semaine, on pouvait se poser la question si on le faisait, mais les gens ne sont pas prêts à perdre de l'argent. Là, aujourd'hui, l'inquiétude pour faire vraiment dans le dur, entre guillemets, pour monter après ça, il aurait fallu faire 5 jours de grève. Et là, ça aurait bloqué la situation. Et puis. Avoir un plus gros impact, mais à savoir que là, avec la crise des semi-composants, le Tiki, Zengotard, donc la Hongrie et la Pologne sont à l'arrêt aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus de berceaux moteurs. Ils ne savent plus où les mettre. Il y a 26 000 moteurs en stock là-bas. Nous, aujourd'hui, on remplit tous nos berceaux. Bientôt, on n'en aura plus. On va sûrement se retrouver à l'arrêt. Nous avons en moyenne une journée non travaillée par semaine. Et si on ajoute à ça des jours de grève, si malheureusement on est confiné demain avec la Covid, au niveau attestation de salaire et le paiement à 60% d'AP, ça risque d'avoir un fort impact. Et là, ça va être le côté négatif, c'est que les salariés vont nous reprocher d'avoir faire des actions un peu trop tôt. Et parce qu'il y en a, ils disent, notre avenir n'est pas encore fait, c'est 2025, on a le temps de se retourner. Alors que non, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Et en fait, on a préféré le faire le samedi pour...
pour, entre guillemets, les salariés ne perdent pas non plus d'argent, parce que ça aurait été moins suivi. J'en ai terminé. Et juste aussi montrer aussi à PSA qu'on voulait continuer à honorer nos commandes. Quand on réclame pour avoir de l'activité, ben on fait voir. On voulait montrer qu'on voulait continuer à montrer. Et surtout montrer qu'on est réformé. La grève, c'est un échec pour tout le monde. Voilà. La grève, c'est un échec pour le salarié, le patron, il a beaucoup de vous. Quand on engage la courbe sur la grève, je ne sais pas comment ça va finir. On l'a vu à Bruxelles, on l'a vu à Aulnay, on l'a vu partout. Le jour où on brûlera les palettes, c'est que les décisions seront prises et qu'on viendra vous voir en disant c'est terminé. Et là, on va pouvoir en arriver là. Alors, moi, je voudrais juste effectivement confirmer que, alors, à mon sens, ça a été une démarche positive samedi. On peut toujours nuancer, hein, je suis d'accord avec vous, monsieur Branchu, mais on a été ensemble, sans étiquette politique, sans couleur syndicale, même si effectivement on voyait sur, sur les banderoles les syndicats, mais peu importe, en tout cas, on était tous là. Et toutes là, puisque j'ai vu aussi beaucoup de femmes samedi, puisque comme vous me le disiez juste à l'instant, monsieur Massiolek, il y a des couples hein, dans la française de mécanique. Hein. C'est-à-dire que au sein d'une même famille, on peut avoir deux personnes qui perdent leur emploi. Et alors, c'est un drame. J'ai vu des familles, j'ai même vu des enfants dans des poussettes samedi. Donc, la jeunesse était présente quelque part. Et moi, je me dis que ce n'est que le début d'une histoire qu'on peut rendre positive si on travaille tous ensemble pour mettre une bonne pression sur PSA. Avant de venir ici, je me suis demandé comment j'allais introduire et comment j'allais conclure cette séance. Après, effectivement, que Monsieur Delabroix et Monsieur Massiolek se soient exprimés. L'introduction, je la voulais la plus simple possible. Et la conclusion de cette prise de parole, je vous la lis, ce sont les trois valeurs de PSA qui sont donc sur leur site à ce jour. PSA nous dit ceci. Gagner ensemble, agilité, efficience. Ces trois valeurs sont notre ADN. La passion de nos produits est notre moteur, nos valeurs en sont le carburant. Je voudrais juste rappeler à PSA que pour avoir le carburant, il faut une pompe pour alimenter. Et que cette pompe, ce sont avant tout des salariés qui sont compétents sur le site de la Française de Mécanique et qu'il ne faut pas regarder uniquement le coût du travail en Inde, en Pologne, en Hongrie, et avant tout un savoir-faire qui ne peut pas se remplacer. C'est bien de ce savoir-faire dont on parle aujourd'hui en défendant les emplois sur ce site. Merci messieurs et bon courage. Merci messieurs. Bonne soirée, bon courage pour la suite. Voilà, il était important que des représentants du personnel puissent s'exprimer ce soir en séance de conseil municipal pour alerter un maximum d'habitants, un maximum de population. Et par rapport à ce que disait monsieur Delabroix tout à l'heure, effectivement, il a parlé de contrat de professionnalisation. On a beaucoup de contrats d'alternance qui sont signés, en tout cas qui étaient signés jusqu'ici sur ce site. C'est aussi ce type de contrat qui peut donner de l'espoir à notre jeunesse. Et donc on a tout intérêt à être autour de ces salariés sur les semaines et les mois qui viennent pour soutenir leur action et donner une envie à nos jeunes d'aller au travail demain sur ce site. Ceci étant dit, s'il n'y a pas de remarques autres que ce qui a été évoqué par M. Branchu, mais qui était, je pense, le reflet de l'ensemble des élus ici présents au sein du conseil municipal, je vous propose, si vous en êtes d'accord, donc de vous prononcer
favorablement donc pour l'acceptation de cette motion et de demander surtout à ce que PSA présente de façon explicite l'avenir du site de Douvrin et ses évolutions sur les prochaines années. Parce que c'est bien cela qui est important avant tout, c'est que les salariés présents sur ce site puissent avoir un avenir sur les prochaines années. J'imagine que tout le monde est favorable. Merci pour eux. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Monsieur Grégory de Dieu pour la lecture des décisions au titre de l'article L2122-22. Alors, décision A, demande de subvention, amende de police, projet de sécurité routière 2021. Donc, considérant le projet de la sécurisation routière inscrit au titre de l'investissement 2021 relatif à la mise en place d'un sens unique de circulation rue Pasteur jusqu'à l'entrée de la RD 165, l'aménagement de stalles de stationnement PMR parking de la gare et l'aménagement des piétonniers au carrefour des rues Basly, Jules Guedes et Roger Salengro, la municipalité envisage pour l'année 2021 le projet d'investissement suivant. Donc marquage au sol en résine thermoplastique et installation de panneaux de sécurité pour un coût prévisionnel hors taxe de 9 340,63 € avec une participation au titre des amendes de police à 40%, ce qui représente 3 736,25 € et sur les fronts propres 5 604,38 €. Décision B, contrat de surveillance du territoire de la ville de Merchin avec l'entreprise SSP. Donc, considérant qu'il y a lieu de souscrire un contrat de surveillance par une société de surveillance et de sécurité, un contrat est donc passé entre la société Surveillance Sécurité Privée, SSP, 6151 Route Nationale 47 à Vermel, et représentée par Sébastien Nizard, gérant, et la mairie de Merchin pour la surveillance du territoire de la ville. Le contrat prévoit 4 heures de patrouille aléatoire 7 jours sur 7, soit 122 heures de patrouille, les interventions sur alarme offertes pendant les patrouilles de sécurité, l'accès à l'intranet SSP, la garde des clés, la ligne d'astreinte téléphonique 24 heures sur 24. Le contrat est signé pour une durée de 6 mois, soit du 3 mars 2021 au 2 septembre 2021 inclus. À l'issue de cette période, le contrat ne sera pas reconduit automatiquement et le montant mensuel de la prestation s'élève à 2 000 € hors taxe, soit 2 464 € TTC. Décision C, contrat d'abonnement SVP. Considérant qu'il y a lieu de souscrire un contrat d'abonnement au service d'information et d'aide à la décision par une société SVP, un contrat d'abonnement est donc passé entre la société SVP 6 3 rue Paulin Talabot à Saint-Ouen et la mairie de Merchin pour les besoins des services municipaux. La prestation comprend un service d'information d'aide à la décision, de soutien et d'accompagnement opérationnel dans les domaines des collectivités, des ressources humaines, des finances, de l'urbanisme, des marchés publics et de la réglementation technique. Le contrat prend effet le 1er mars 2021 pour une durée non renouvelable de 1 an, soit jusqu'au 28 février 2022. Le montant de la prestation s'élève à 493,66 € hors taxe, soit 592,39 € TTC. Décision D, contrat d'hébergement et de maintenance logicielle Domino Web. Considérant qu'il convient d'assurer l'entretien des suites logicielles nécessaires à l'activité du service jeunesse et de la halte garderie, un contrat d'hébergement et de maintenance logicielle sont passés entre la société Abellium Collectivité, 6 4 rue du Clos de Louche à Pleurtuy, et la mairie de Merchin. La prestation comprend l'hébergement du logiciel et des données, le déploiement du logiciel sur les postes clients, la hotline, et l'assistance et intervention sur site. Le contrat prend effet le 16 septembre 2020 pour une durée de 1 an non renouvelable, soit jusqu'au 15 septembre 2021. Le montant annuel de la prestation s'élève à 1 362,80 € hors taxe, soit 1 635,36 € TTC. Décision E, contrat d'entretien des espaces verts, le coin familial. Considérant qu'il convient d'assurer l'entretien des espaces verts de la commune, tente, pelouse et nous, taille des massifs, ramassage des papiers et changement de sacs poubelles. Donc un contrat est passé en espace vert avec l'association Le Coin Familial, 680 rue Roger Salengro à Merchin, représentée par M. On et la mairie de Merchin. La prestation comprend
les tentes habituelles Hameau de la Planquette, les tentes habituelles Cité de la Gare, les tentes habituelles du Marais Communal, les tentes habituelles Résidence des 13 Minco, les tentes des parties Pelouse et Nous à la Cité Fachoda, les tentes des parties Pelouse et Nous à la Résidence des Manoirs, le ramassage des papiers au Marais Communal et à la Briquette. Et cette prestation représente 1190 heures de travail pour un montant global de 12 579 € et 3 centimes TTC. Le contrat prend effet le 1er avril 2021 pour une durée de 1 an renouvelable jusqu'au 30 mars 2022. Décision F, contrat d'entretien élévateur. Considérant qu'il convient d'assurer l'entretien de l'élévateur de la mairie pour sa mise en sécurité, un contrat d'entretien est passé entre l'entreprise CEA SARL DVMH, 6205 rue de l'Industrie à Lille-Seclin, représenté par M. Dominique Herman, directeur général, et la mairie de Merchin. La prestation comprend 4 visites annuelles qui reprennent la maintenance préventive de l'élévateur ELFO, le contrôle de l'étanchéité du circuit oléodynamique, vérin et groupe, l'apport en huile, le contrôle des sécurités, le contrôle de la partie mécanique et le graissage, le réglage des portes palières et le contrôle des composants électriques. Le contrat prend effet le 12 juin 2021 pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois par tacite reconduction, soit jusqu'au 11 juin 2022. La durée totale du contrat ne pourrait excéder 4 ans, renouvellement inclus. Et enfin, le montant de la redevance annuelle est fixé à 629 € et 16 centimes hors taxe, soit 755 € TTC. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Madame Vasilikov, c'est une petite remarque. Hein. Au niveau des détails de l'entretien des pelouses, au 13 Manco, j'ai pu remarquer qu'il n'est pas précisé les noues et les buissons. Est-ce une petite erreur de reprise ou c'est pas compté dans le contrat ? Monsieur De Dieu est en train de regarder. Voilà, parce que bon, à savoir qu'au 13 Manco, il y a des noues, il y a des buissons, donc ouais, tout à fait. Il n'y en a pas partout, des noues. Et c'est peut-être une petite erreur de copie, hein, je suppose. Hein, mais... Alors, il faut savoir que jusqu'ici, il n'y avait même pas de contrat qui est nous lié à cette entreprise, c'était sur devis. C'est sur devis, d'accord. Oui. C'est pour vous dire que là, on est beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus strict, mais effectivement, il se peut très bien qu'on ait oublié de le noter dans le procès. Voilà. Donc, Monsieur Dejeu vérifiera et vous enverra l'élément de réponse. D'accord, merci. Mais de rien. Pas d'autres remarques ? Eh bien, je vous remercie. Donc, je vous propose de laisser maintenant la parole à Madame Christine Hénache pour la présentation du compte de gestion et du compte administratif 2020. Merci bien. Alors, si vous me permettez, je vais juste faire une petite définition du compte de gestion et du compte administratif, peut-être pas pour les personnes qui sont autour de la table, mais plutôt pour les personnes qui nous regardent ce soir. C'est pas évident d'entendre des chiffres comme ça sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Donc concernant le compte de gestion, c'est simplement un document qui retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. Ce document est élaboré par le comptable de la collectivité. Concernant le compte administratif, c'est un bilan financier de la collectivité. Il constitue l'arrêt des comptes à la clôture de l'exercice et celui-ci est élaboré par l'ordonnateur. Concernant le budget d'une collectivité, on a deux sections, donc une section d'investissement et une section de fonctionnement, dans lesquelles on retrouve donc les dépenses et les recettes. Voilà pour ce petit point. Concernant notre compte de gestion, il laisse apparaître un excédent de fonctionnement de l'exercice de 306 470 € et 5 centimes et un excédent d'investissement de 91 763 et 85 centimes, soit un résultat positif de 398 233 et 90 centimes. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce compte de gestion ? On peut passer au vote. Qui est pour ? À l'unanimité. Merci.
Donc là, je vais demander à monsieur le maire de sortir, s'il le veut bien, pour le compte administratif. Merci. Et donc, ce compte administratif sera placé sous la présidence de monsieur Bernard Jaspard. Merci de votre confiance, monsieur le maire. Je le fais. Alors, concernant nos dépenses de fonctionnement, il y avait un montant de 3 591 956,42 €. Pour les recettes, 3 898 426,47 €. Soit un excédent de fonctionnement de 306 470,05 €. Concernant nos dépenses d'investissement, 276 390,08 €. Et pour les recettes, 368 153,85 €. Le budget principal présenté à la clôture de l'exercice précédent en 2019, un déficit d'investissement de 100 853,52 €. Un excédent de fonctionnement de 151 036,80 €, une part affectée à l'investissement de 102 489,61 €. Les résultats à la clôture du précédent exercice 2020 reprennent le déficit d'investissement qui était de 100 853,52 €, l'excédent de fonctionnement de 48 547,19 €. Les résultats cumulés se présentent comme tels. Donc nous avons un excédent d'investissement de 91 763,85 €. À cela, on déduit le déficit d'investissement de 2019 qui était de 100 853,52 €, soit un résultat de moins 9 089,67 €. Un excédent de fonctionnement de 306 470,05 € en 2020, auquel on ajoute les 48 547,19 € de 2019, soit un résultat de 355 017,24 €. Un solde excédentaire cumulé pour les deux sections investissement et fonctionnement de 345 927,57 €. Y a-t-il des questions ou des remarques? Vous procédez au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Monsieur le maire peut faire son retour. Merci. Monsieur le maire, j'ai le plaisir de vous annoncer que le compte administratif a été voté à l'unanimité. Merci, monsieur Jaspard. Merci. Eh bien, écoutez, à travers ce vote, je voudrais, de mon côté, remercier les services de la commune, sans qui cet exercice n'aurait pas été permis. Au travers de madame Barbara Taubois, ici présente, et de monsieur De Dieu, ici à mes côtés, je remercie vivement les services de la commune pour leurs compétences et leur aide dans l'analyse, justement, sur le choix des orientations. Alors, point suivant, l'affectation de résultats. Donc, l'affectation de résultats, c'est tout simplement l'excédent de 2020 que l'on va répartir sur les sections d'investissement et de fonctionnement. Donc, on vous propose ce soir, pour le budget principal, d'affecter 227 003,70 € au compte 002 et 128 013,54 € en section d'investissement. Y a-t-il des questions ou des remarques ?
On peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Adopté à l'unanimité. Merci. Point suivant, le vote des taux d'imposition des deux taxes locales, la taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non bâti. Le produit fiscal attendu sur le foncier bâti étant de 1 052 000. Le produit fiscal attendu sur le foncier non bâti étant de 17 080. Le coefficient de variation correcteur est de environ 1,25%. Ce soir, nous vous proposons de maintenir pour l'année 2021 les taux donc sur le foncier bâti 44,85%, qui correspond donc au taux du foncier bâti qui est de 22,59%. Et à ça, on ajoute le taux du département qui est de 22,26%. Le foncier non bâti, quant à lui, est de 70,87%. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Madame Vasilikov, comme dit lors de la commission finance, et puis, comme on dit, on continue dans notre ligne d'explication qu'on avait donnée déjà au précédent conseil municipal au sujet d'augmentation de la TOM, hein, est-il possible, c'est ce qu'on avait proposé à la commission finance, est-il possible de descendre de 2% la taxe foncière communale afin de compenser cette TOM vous avez dû voter à contre-cœur cette taxe. Est-ce qu'il est possible de revoir au niveau de baisse de la taxe foncière communale ? Alors, je n'étais pas présent à la commission finance, mais effectivement, Madame Hénach, je m'ai fait part de vos échanges, puisque je défendais les valeurs de la commune auprès de la CAL. Effectivement, vous l'avez dit, je l'ai pris à contre-cœur cette décision, je vous l'ai dit lors du précédent conseil. Vous et moi, ainsi que les élus présents ici au sein de ce conseil municipal, on essaie de travailler sur un objectif, c'est de rendre la ville la plus propre possible. On essaie de travailler aussi sur le développement durable, toutes et tous ici, autour de cette table. Si on veut encore avoir un niveau de service qui soit garanti sur la commune, il n'y a malheureusement pas d'autre choix que de prendre cette décision d'augmentation effectivement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Si nous décidons aujourd'hui de faire un geste financier au titre de la commune, ça veut dire que nous allons devoir forcément retirer un niveau de service quelque part sur la commune. Effectivement, c'est un choix que je maintiens, de vous proposer cette touffe à 44,85 pour le foncier bâti et à 70,87 pour le foncier non bâti, quitte à le revoir l'année prochaine, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour cette année, nous en resterons là. Y a-t-il d'autres questions ? Pouvons-nous passer au vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? On recommence parce qu'on n'a pas eu le temps. J'ai été un petit peu trop vite, désolée. Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci. Alors, concernant le budget primitif pour les subventions de fonctionnement aux associations, nous savons que nous avons besoin de nos associations. On en a discuté en commission finances. On a dû faire un choix. C'était par rapport, bien évidemment, à la crise sanitaire que nous vivons actuellement, sur le fait que nos associations n'ont pas d'activité quasiment depuis maintenant un peu plus d'une année. On a fait un choix de réduire leurs subventions que nous donnons, sachant que nous décidons de maintenir un budget exceptionnel sur le côté. Si, on l'espère tous, l'activité peut reprendre, l'association qui voudra établir un projet, elle pourra
vraiment venir nous voir, on en discute et il y aura une subvention exceptionnelle qui pourra être allouée. Donc voilà ce qu'on vous propose ce soir. Concernant les associations pour le domaine sportif, une subvention de 8000 euros pour l'USOM, l'Union sportive et olympique de Merchin. Une subvention de 300 euros pour le judo Akama. Une subvention de 375 euros à l'espoir de Merchin. Une subvention, alors concernant le domaine associatif, une subvention de 650 euros à accueil et partage. Une subvention de 500 euros pour les anciens combattants. Une subvention de 250 euros pour l'amicale des anciens sapeurs-pompiers. Une subvention de 500 euros pour l'amicale de pêche. 125 euros pour les donneurs de sang. 20 euros pour l'association des paralysés de France. 20 euros pour l'association Vie Libre Bruée. 20 euros pour l'association française Sclérose en Plaques. 20 euros pour l'association Clown de l'Espoir. 50 pour l'association Chemin du Nord, 125 pour l'association KO, 100 euros pour l'association de clubs de pétanque de Merchin, 190 pour le club du 3e printemps, 200 pour le club féminin de Merchin, 125 pour le club de gym d'entretien, 500 euros pour le communal de chasse, 20 euros pour les diabétiques Lens-Liévin, 20 euros pour France Victime 62, 300 euros pour les Céciliennes de Merchin, 175 euros pour les médaillés du travail, 150 euros pour Mon Or en Terre, 10 euros pour SEMLH, Comité de Lens, 250 euros pour l'Union commerciale et artisanale de Merchin. Dans le domaine musical, une subvention de 250 euros pour l'Union musicale. Dans le domaine scolaire, une subvention de 800 euros à l'Association des parents d'élèves Les Platanes, 50 euros à l'Union délégation départementale de l'éducation nationale du Pas-de-Calais, et donc un solde aux subventions à venir de 3500 euros. Y a-t-il des questions ou des remarques? Madame Azelikov, pour agir pour notre ville, comme j'avais soulevé le même problème au niveau de la commission finances, on va se retrouver probablement dans le domaine sportif avec des difficultés parce qu'on a des enfants, des personnes qui adhèrent à une fédération. Donc, ils ont déjà payé et malheureusement, ils ont aussi payé une inscription au club. Ils ont eu aussi des activités sportives, période, on va dire. Et difficile pour eux, ensuite, au niveau des clubs et des associations, de conserver leurs adhérents parce qu'il va y avoir une fuite. C'est ce que je vous avais dit lors de la commission finances. On a un très gros risque de perdre des adhérents au niveau des associations. Dans le principe des associations, il y a des adhérents qui réclament plus ou moins d'être remboursés de leur adhésion au niveau des clubs. Bon, vous m'avez précisé qu'il y avait des petits livrets conséquents, mais pas forcément pour toutes les associations. Donc je tenais à tirer une sonnette d'alarme par rapport à ça. C'est qu'on risque de perdre des associations sportives locales. Dans ces cas-là, il y a un choix aussi à faire pour les soutenir aussi. Donc je comprends que vous avez laissé une enveloppe 3000 et quelques pour soutenir ces associations, mais ils n'ont pas forcément un projet. Déjà, le projet, c'est de garder leurs adhérents, garder cette vie au sein de la commune. Et notre volonté, je suppose, et on a la même chose, c'est de conserver nos associations au sein de la commune, qui est une vie, qui est la vie au sein de la commune. Quelque part, je suis assez déçu et on est assez déçu que vous ayez descendu aussi drastiquement, aussi bien au niveau du judo que de l'espoir ou d'autres associations sportives. Elles vont se retrouver en difficulté. Alors, votre sonnette d'alarme, moi, je l'entends. On en a déjà discuté. On a eu des choix difficiles à faire. On aurait pu maintenir toutes les subventions, garder le même rythme que les années précédentes, mais la solution derrière, c'était de faire un emprunt. Et cet emprunt, aujourd'hui, on n'aurait pas pu le rembourser. Donc il nous a fallu faire des choix qui ne sont pas faciles, mais moi, un choix que j'assume. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'activité pour quasiment toutes les associations n'ont pas tourné cette année. Dans le dossier de demande de subvention, on demande la copie des comptes. Il y a l'extrait de compte, donc il y a un compte courant. Et on a aussi des associations qui ont des petits trésors de guerre. Donc ça aussi, je tiens à le signaler. Normalement, on ne doit pas garder l'argent. Alors on peut se garder une réserve, je l'entends.
Mais je pense qu'avec ces réserves, beaucoup d'associations vont pouvoir survivre à ça. Maintenant, on subit, la collectivité subit également la crise comme les associations. Et on ne pouvait pas maintenir le même niveau. Alors en plus, quand moi j'ai regardé le dossier des demandes de subvention, j'ai trouvé ça aberrant. Ce n'était absolument pas cadré. On donnait des subventions, je pense, à la tête. Je ne sais pas. J'ai trouvé aucun descriptif, aucun. C'est pour ça que je vous ai proposé, je pense que vous avez reçu un mail, un groupe de travail pour que cette fin d'année, on puisse travailler sur un nouveau dossier de demande de subvention qui sera beaucoup plus clair, précis. Nous, ce qu'on attend des associations aujourd'hui, c'est aussi qu'elles fassent vivre la ville. On a des associations qui ne le font pas forcément. On mettra en avant ces associations qui ont des projets. On comprend tout à fait qu'il y a des repas de fin d'année. C'est aussi le but de rassembler ces adhérents. Mais voilà, ce choix était indispensable cette année. On reviendra dessus certainement l'année prochaine. Si on tient cette ligne de conduite, on dégagera de l'excédent et on pourra effectivement le réinjecter dans nos associations. D'où ce choix aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques ? Oui, je voulais dire que voilà, je m'associe à la déclaration de Mme Cathy Vasilikoff. Voilà, je suis pas pour la baisse des subventions, surtout dans le milieu sportif, où je pense que les activités, je dirais, culturelles ou sportives, ça reste quand même un poumon économique pour notre commune. Et malheureusement, je pense que, comme je vous l'ai dit en commission des finances, c'est les enfants qui vont partir sur d'autres communes, quoi. Donc c'est mon inquiétude. Je ne suis pas certaine que si on double les subventions, les adhérents... pour le coup, on a les nombres des adhésions sur les dossiers de subventions et on n'a pas eu besoin de la crise pour avoir des associations qui ont vu chuter leur nombre d'adhérents. Je ne demande pas de doubler. Puisqu'on les a limite divisés, je pense pas... Ce n'est pas ce qui va attirer les adhérents. Après, c'est aussi du travail de l'association de garder ses adhérents. C'est pas à nous de soutenir tous les projets, toutes les décisions qui sont prises par les associations. Nous, on les soutient d'une façon financière, mais on n'est pas là non plus pour les enrichir. Là, cette année, je vous le dis, on a eu des choix à faire, des choix qui sont pas simples pour nous, mais qu'on a dû faire. Votre majorité a tenu une ligne de conduite et on en est arrivé là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on prend ces décisions là aujourd'hui. On ne peut pas continuer comme ça, c'est impossible. Si on veut sortir la tête de l'eau, il y a des décisions à prendre et la subvention aux associations en fait partie. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans le milieu sportif, c'est une année blanche. Et puis malgré tout, c'est des gens qui ont dû payer leurs cotisations. Où je rejoins fatalement pour l'année 2021-2022, c'est-à-dire à l'horizon de septembre 2021, je ne sais pas si les adhérents ils vont payer la totalité de leur licence ou pas. Donc voilà, c'est l'inquiétude. Après, ça va se répartir dans beaucoup de communes, je le conçois. Mais il y a aussi beaucoup de communes qui maintiennent les subventions, comme d'autres qui baissent. Mais bon, après, ce sont des choix que je respecte. Et ces communes n'étaient peut-être pas dans notre situation financière. Je le conçois. Voilà. Je vous dis, on aurait pu faire un emprunt. Mais l'emprunt, il faut le rembourser derrière. Et honnêtement, on n'était absolument pas pour un emprunt. Et au départ, on était partis, on s'est dit, on n'y arrivera jamais. Et tout compte fait, avec un acharnement avec Mme Taubois et Monsieur Grégory, on y est arrivé. Donc, sans emprunt, mais en prenant des décisions pas faciles. Aussi bien, on verra dans très peu de temps le constat. Aussi bien, voilà, on ne peut pas non plus anticiper. On verra bien comment les adhérents vont réagir pour la nouvelle année, quoi. Voilà, j'en ai fini, moi. Attendez, on va vous donner le micro, madame. Alors, on est toujours sollicité par toutes des petites associations comme ça. Il faut savoir qu'elles sollicitent les 35 000 communes de France. Il y a toujours eu quelque chose de donné. Ça allait à la hauteur de 50 euros. On a voulu continuer de donner. On a aussi des administrés qui utilisent ces associations. Il faut le savoir. Donc, on a des administrés. Bah.
Si toutes les communes donnaient 10 et 20 euros, les 35 000 communes, croyez-moi, c'est pour ça qu'ils se manifestent. Hein. Après, il faut aussi savoir qu'on a des associations qui nous ont pas fait de demande de subvention parce qu'elles ont jugé que c'était une année blanche et de ce fait n'ont pas demandé. Alors, ça ne représente pas grand-chose. Je ne suis pas certaine qu'avec 10 euros par association supplémentaire, ça aurait changé grand-chose à la décision de ce soir. Vous ne comprenez pas, je l'entends. Y a-t-il d'autres remarques ? Non ? J'aurais juste, pour être complémentaire avec ce qu'a dit Mme Ménage ce soir, rappeler que l'objectif du budget de la commune, il était d'être sincère. Et effectivement, c'est pour ça que nous avons pris cette décision de devoir baisser cette année les subventions aux associations pour avoir un budget sincère, équilibré. Et le fait de ne pas faire d'emprunt, c'est surtout ne pas faire d'emprunt pour payer du fonctionnement. Donc, certes, je comprends tout à fait vos remarques, elles sont pertinentes les unes les autres. Nous serons vigilants, effectivement, si certaines associations venaient nous voir en nous disant « on n'y arrive pas cette année ». Donc, on sera prêt à travailler avec vous aussi pour vous faire part de ces difficultés. Et comme j'ai pour habitude de le dire, on est là aussi pour aider les associations qui n'arrivent pas à aller chercher des subventions autres qu'auprès de la commune, parce qu'il existe aussi d'autres manières d'aller chercher des subventions. C'est du travail, hein, ça c'est certain. Mais on a d'autres biais pour le faire. À titre d'information, cette année, la CAL lance un appel à projet pour le 5 décembre, en tout cas du 3 au 5 décembre, pour les fêtes de la Sainte-Barbe. On a quelque chose à faire d'intéressant là sur notre commune avec les associations et on a un budget réel là à aller chercher pour les associations qu'elles puissent mener des projets intéressants. Donc c'est aussi cette aide-là qu'on pourra apporter en complément aux associations pour compenser cette baisse de dotation. Je rends la parole à Madame Ménage. Y a-t-il d'autres remarques ou des questions ? On peut passer au vote. Qui est contre ? Ah oui, pardon, excusez-moi. Si on a des présidents d'associations ou des trésoriers, je leur demanderai de ne pas prendre part au vote, s'il vous plaît. Donc, qu'ils se manifestent. On a Jérémy Régnier qui est de... Association des familles. Ensuite, il y en a d'autres ? Monsieur Jean-Louis Lefebvre ? Personne d'autre ? Ah oui, monsieur Bernard Jaspard a démissionné de son poste de président. Oui. Donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Point suivant, participation financière au CIVOM et au relais petite enfance pour 2021. Alors, on a une adhésion avec le CIVOM. C'est un organisme qui propose un accompagnement social et professionnel dans le cadre des dispositifs du plan local pour l'insertion et l'emploi. Le CIVOM travaille également avec le relais petite enfance. Alors, j'ai perdu ma fiche. Ah, c'est bon. Alors, on vous propose aujourd'hui donc une subvention CIVOM de 23 543,49 € et une subvention pour le relais petite enfance de 6 454,28 €. Y a-t-il des questions ou des remarques ? On peut passer au vote ? Qui est contre ?
Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Point suivant, subvention au Centre communal d'action sociale pour l'exercice 2021. Au budget primitif de la commune pour l'exercice 2021, il est proposé de verser une subvention de fonctionnement d'un montant de 21 707,06 € pour alimenter la section de fonctionnement du CCAS de Meurchin. Y a-t-il des remarques ou des questions sur cette subvention ? Non ? Qui est pour ? À l'unanimité. Merci. Excusez-moi. Est-ce qu'il serait possible d'annoncer le nombre de voix pour, le nombre de voix contre et le nombre d'abstentions ? Parce qu'il y a des personnes qui ne voient pas forcément certains angles au niveau de la salle. Et ça serait judicieux de le préciser, s'il vous plaît. Pas de souci. Alors, concernant le budget primitif 2021, il convient de rappeler que la loi prévoit que les communes de 3 500 à 10 000 habitants votent leur budget en présentant leurs dépenses et leurs recettes par nature avec un tableau synthétique de leur répartition par fonction. Au niveau du chapitre pour la section d'investissement, avec les opérations détaillées, on a des dépenses de 482 038,78 €, à savoir un reste à réaliser sur 2020 de 14 799,07 €, des opérations d'ajustement de 382 132,44 €, un besoin de financement reporté de 79 244,19 €, et des opérations d'ordre de section à section de 5 863,08 €. Concernant les recettes, un reste à réaliser 2020 de 35 438,26 €, des opérations d'ajustement de 159 435,79 €, des opérations d'ordre de section à section 281 301,65 €, des opérations d'ordre à l'intérieur de 2021, 5 863,08 €. Donc un budget à l'équilibre de 482 038,78 €. Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, on a des dépenses de 4 059 178,04 € avec des opérations réelles de 3 905 889,93 € et des opérations d'ordre de 153 288,11 €. Concernant nos recettes, les opérations réelles 3 752 930,15 €, un excédent disponible reporté de 227 003,70 €, et des opérations d'ordre de 79 244,19 €, un équilibre donc à 4 059 178,04 €. Le résultat de fonctionnement de fin 2020 de clôture est de 355 017,24 €. En conclusion, un excédent de fonctionnement disponible reporté au BP 2021 de 227 003,70 € et des recettes nouvelles de fonctionnement au BP 2021 de 3 832 174,34 €, soit un total de recettes de fonctionnement de 4 059 178,04 €. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Madame Vasilikov, au sujet du chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés, on avait comme pour mémoire 2 523 285,46 €. On a émis ce qui a été émis en 2020 au niveau du budget, 2 426 752 €. Pourquoi cette proposition à 2 697 000, soit une différence de 270 000 euros ? Vous avez l'intention d'embaucher ou il y a d'autres personnes ? Non, alors il y a eu des évolutions. Qu'en est-il cette différence ? Il y a eu des évolutions déjà, oui. D'une. Et il faut savoir qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de protection au niveau des arrêts et maladies. Donc, il n'y a aucune protection. Il n'y avait pas une assurance particulière ?
l'assurance, l'ancienne mandature a décidé de la supprimer. Donc c'était un pari osé. Osé, mais ils l'ont fait. Ah bon ? Voilà. Donc en prenant conscience, bien évidemment, on ne peut pas rester comme ça. Que ça soit pour les arrêts maladie, l'accident de travail, ça peut coûter très très cher à une collectivité. Donc nous avons rencontré notre société d'assurance. Ils vont nous envoyer un calculateur qui va nous permettre de rentrer la masse salariale et donc de nous chiffrer le coût de l'assurance. Parce que bien évidemment, on va devoir inclure cette assurance pour les maladies et les accidents de travail. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres remarques ou des questions ? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? À l'unanimité. Concernant les frais de scolarité, le principe de réciprocité gratuite entre la ville de Meurchin et les communes concernées. Donc nous avons des enfants qui sont scolarisés à l'extérieur de Meurchin. Et en contrepartie, nous avons des enfants de l'extérieur qui viennent faire leur scolarité sur Meurchin. Il y a des frais qui ne sont pas les mêmes pour chacune des communes. On part du principe, avec les communes environnantes, que nous partons sur un principe de réciprocité, c'est-à-dire zéro, on ne reçoit rien, mais on ne donnera rien. C'est plus simple, ça nous enlève une grosse charge de travail, et c'est d'accord avec toutes les communes, de plus en plus, elles adhèrent à ce principe. Voilà ce qu'on vous propose ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques sur ça. On peut passer au vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? À l'unanimité, merci. Je vous demanderai juste à la fin de la séance de vous diriger sur Madame Taubois pour aller signer, s'il vous plaît, le document. Merci. Donc maintenant, nous allons passer la parole à Monsieur Jean-Louis Lefebvre pour le 11e point de cette séance. Dans le cadre du projet de construction de la résidence Les Capucines, rue de la Gare, dorénavant rue des Bleuets, le conseil municipal du 28 septembre 2018 avait acté la vente d'une parcelle de terrain reprise au titre du domaine communal de 308 mètres carrés pour un montant de 10 800 euros. Cette opération s'est effectuée au bénéfice de European Homes, promoteur de cette construction. Dès lors que l'opération a été réalisée, il est demandé de la mise à jour du cadastre et de sortir cette parcelle AD361 du répertoire du domaine communal pour l'attribuer au domaine privé. Donc il est demandé simplement, c'est une opération administrative, il est demandé simplement la possibilité de sortir et de faire cette mise à jour du cadastre pour refléter la réalité actuelle. Donc qui est pour ? Également, lors d'une
d'une séance du 4 juin 2018. Le conseil municipal avait acté la vente d'une parcelle de 80 mètres carrés dans la résidence du hameau de la Planquette pour une somme de 3000 euros. Il s'agissait d'une parcelle attribuée à Madame Mireille Brisset. Et c'est également le même problème. Cette parcelle a été vendue et suite à l'opération, il est demandé de faire la mise à jour du cadastre pour que celui-ci reflète la réalité. Donc, nous sollicitons la possibilité de faire cette mise à jour. Qui est pour ? Donc à l'unanimité. Dans le cadre du PLU et par courrier du 18 janvier 2021, le président de la communauté d'agglomération de Lens avait interpellé la mairie concernant les modalités de transfert automatique de la compétence PLU récemment modifiée. Par rapport à l'article 136 de la loi 2014, qui dispose que la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière du PLU en 2017, elle le devient automatiquement le premier jour de l'année suivante, l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, soit au 1er janvier 2021. Sauf opposition de 25% des communes représentant au moins 20% de la population. La loi 2020 du 14 novembre 2020 qui autorise la prorogation de l'état d'urgence sanitaire reporte cette échéance de 6 mois, soit au 1er juillet 2021. Le transfert du PLU s'opérera à cette nouvelle date, sauf, comme c'était le cas auparavant, si dans les 3 mois qui précèdent le 1er avril 2021 au 30 juin 2021, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent. Il est demandé aux membres du conseil municipal de décider de s'opposer au transfert de compétences PLU à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, afin d'autoriser M. le maire à transmettre la délibération à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et à la sous-préfecture de Lens. Il est rappelé que si le transfert du PLU revenait à la communauté d'agglomération de Lens, nous perdrions une partie de notre pouvoir de décision pour la gestion des terrains et des constructions sur la commune. Donc il est demandé de refuser ce transfert automatique vers la communauté d'agglomération. Nous allons passer au vote. Qui est pour ? Merci. Donc adopté à l'unanimité. Merci. Merci Jean-Louis. Donc avant de clôturer cette séance de conseil municipal, je reviens sur deux points qui avaient été vus lors du conseil municipal précédent, puisque nous avions décidé d'installer une commission d'accessibilité des personnes handicapées. Donc je voulais vous faire part à toutes et tous ici présents le nom des personnes qui ont déposé leur candidature pour participer à ces travaux de cette commission, à savoir donc mesdames Sylviane Jaspar, Brigitte Martin et Angélique Wispelaer, ainsi que messieurs Christophe Soyer, Ludovic Montagne, Jérémy Régnier, Steve Tirlois et Césaire Branchu. Donc, nous n'avons pas eu d'autres candidatures.
Donc ce sera une commission en nombre réduit, mais en tout cas, nous avons offert la possibilité à l'ensemble des groupes de pouvoir y participer. Et donc toutes les personnes seront invitées prochainement à participer aux premiers travaux de cette commission. Un autre point donc sur lequel je reviens, puisque le groupe HR pour notre ville avait soulevé la question sur l'actualisation du plan communal de sécurité PCS. Donc il n'avait pas été mis à jour, il est maintenant actualisé depuis le 1er avril 2021. Si vous voulez avoir des informations précises sur les personnes qui donc sont référents sur ce plan, les documents sont disponibles en mairie. Pas de souci. Eh bien, écoutez, il est 19h58 et cette séance du conseil municipal est maintenant terminée. Mais avant de nous quitter, derrière cette séance de conseil municipal, nous allons maintenant procéder donc à un exercice, c'est-à-dire le tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2022. Alors, merci monsieur De Dieu de m'avoir mis cet outil sur mon document. Ce tirage au sort, effectivement, d'habitude, se fait en public. Et donc, nous profitons que la séance du conseil municipal soit filmée pour la rendre publique de cette manière. Donc, je vais faire appel à une personne volontaire pour venir tirer quelques petits papiers afin de désigner par tirage au sort. Eh bien, donc, j'ai un volontaire, à savoir M. Jérémy Régnier, qui se porte volontaire pour tirer ses papiers. Donc, il y a quelques règles pour le tirage au sort des jurys d'assises, à savoir que... les personnes doivent être forcément inscrites sur les listes électorales, que compte tenu également de la circulaire du 16 février 2021, sont exclues de cette liste les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans au 31 décembre 2021. Il était inscrit 2020, mais c'est 2021, bien évidemment. Et donc, il nous faudra tirer au sort 9 noms issus de la liste générale des électeurs de la commune. Monsieur Régnier. Hop là. Alors, vous avez donc, comme vous le voyez, le chiffre des 1000, le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Donc, je vous propose de faire ce petit tirage au sort. Donc, je vous invite à bien préciser qu'il n'y a que deux petits papiers dans la case des 1000. Merci. Nous pouvons y aller. Pas forcément. Pardon ? Décale un petit peu. Tout est bon ? Zéro. Ce qui fait, comme vous l'aurez deviné, le 947. Donc il s'agit de Mademoiselle Deville de Mans, Virginie Evelyne André.
ce qui fait le 154. Donc il s'agit de monsieur, de madame Bernard Caroline. Pouvons procéder au troisième tirage au sort. Et donc le 215. Alors il s'agit tout juste de monsieur Blancard Geoffrey. J'imagine que la personne aura 23 ans, c'est ça ? Eh oui, tout juste. Tout juste. Et donc le 237, monsieur Boquet Jean-Pierre. Donc le 1793. Il s'agit de monsieur Lemoine Damien. Donc le 2794, il s'agit de madame Vincent Dorothée. Donc le 337. Il s'agit de monsieur Bousillard Fabien. Le numéro 2.
Donc le 1246. Donc il s'agit de monsieur Stéphane Fontaine. Et donc le dernier nom tiré au sort. Qui fait donc le 444. Il s'agit de madame Cambier Léa. Merci Jérémy. Eh bien donc, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous invite donc à vous diriger vers madame Barbara Taubois pour signer l'ensemble des éléments. Et n'oubliez pas de respecter les distanciations. Bonne soirée.